mucoviscidose est une maladie génétique. Cette maladie touche plusieurs organes, avec une atteinte principalement du système respiratoire et du système digestif. L'approche thérapeutique se doit d'être pluridisciplinaire. C'est pourquoi les jeunes atteints sont suivis au sein des centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose, CRCM, pour coordonner les soins des patients. En parallèle de leur vie normale, les enfants vont donc devoir intégrer des soins comme la kinésithérapie respiratoire, prendre des traitements et se rendre régulièrement dans leur CRCM auprès de l'équipe qui les suit. Aujourd'hui, l'objectif est que les enfants puissent vivre leur vie d'enfant au maximum, à l'école, avec leurs amis. La pratique du sport fait vraiment partie des piliers de la prise en charge de la mucoviscidose. Elle est recommandée et encouragée par les médecins. Le sport, de façon complémentaire, facilite la remontée des sécrétions et le désencombrement naturel. Il permet aussi de ventiler une surface pulmonaire plus importante, favorisant les échanges d'oxygène et de dioxyde de carbone. Grâce à l'activité physique et sportive, l'enfant va développer différentes qualités physiques, ses capacités cardio-respiratoires, musculaires, de coordination. Et surtout, il va se socialiser et prendre confiance en lui. Il a été montré que l'activité physique et sportive permet l'amélioration sur le long terme de la fonction respiratoire. Et c'est une pratique physique importante et régulière qui permettrait probablement cette amélioration à long terme de la fonction respiratoire. Il faut savoir que toutes les activités sportives et artistiques sont recommandées en dehors des activités interdites, comme le saut en parachute ou la plongée sous-marine. Elles devront s'adapter à leur âge et à leur capacité physique et bien sûr aux précautions d'hygiène. De manière générale, chez l'enfant de 7 à 11 ans, on recommande tous les sports qui vont permettre de développer à la fois la coordination et surtout le goût du sport, notamment à travers le plaisir de jouer avec les autres. Et chez les adolescents de 11 à 18 ans, d'intégrer de manière régulière des activités d'endurance telles que le vélo, la marche. L'objectif, c'est d'intégrer les règles d'or d'une bonne pratique sportive, ce qui va lui permettre de profiter au maximum des activités en fonction de ses capacités physiques. Pour aller vers cet objectif, les professeurs d'éducation physique et les éducateurs sportifs, vous allez jouer un rôle essentiel. Alors à vous de jouer avec et pour l'enfant, pour qu'il puisse prendre du plaisir dans ses activités, ce qui sera essentiel pour qu'il fasse du sport le plus longtemps possible.